m'appelle Anna, j'ai 12 ans, j'habite à Perros-Guirec. Il y a quelques jours, il m'est arrivé une aventure extraordinaire. Par une belle journée ensoleillée, je suis allée à la plage de Trestraou pour me baigner. J'ai vu un reflet dans l'eau, je me suis approchée. C'était une clé dorée. Je n'avais plus qu'une seule idée en tête, retrouver la serrure que la clé allait ouvrir. J'observais attentivement cette clé quand un drapeau américain apparut comme par magie. Puis, comme par enchantement, ma serviette se mit à bouger. Elle m'invitait à monter sur elle. Je me suis dit qu'il était temps de partir aux États-Unis. Hello. Hello. Je cherche à quelle maison appartient cette clé. Sorry, ce n'est pas une clé américaine, car ici, les habitants utilisent leurs empreintes digitales pour ouvrir les portes. Goodbye. Au revoir. J'observais de nouveau la clé dorée quand le drapeau du Brésil apparut. Je m'appelle Anna, j'ai 12 ans. Je cherche la serrure qui appartient à cette clé. Hola Anna, moi c'est Tania. Désolée, mais ici dans les favelas, les portes n'ont pas de serrure. Allez, viens danser avec nous. La fête terminée, je regardais la clé dorée. Un drapeau tricolore vert, jaune et rouge apparut. C'était le drapeau du Mali. Je cherche à qui pourrait appartenir cette clé. Désolée, mais dans nos villages, les cases n'ont pas de porte. On utilise des tissus ou des branchages pour se protéger des moustiques. Mais voudras-tu faire une promenade à deux de chameaux? J'accompagnais mon ami le Touareg à dos de chameau. Puis, j'attrapais la clé pour mon prochain voyage. Direction la Russie. Je m'appelle Anna et je cherche à qui appartient cette clé. Je ne sais pas, mais tu peux trouver Baba Yaga, une sorcière, et c'est beaucoup de choses. Continue ta route vers l'est, couvre-toi bien. Bonjour, bienvenue au voyage des sorcières. Je suis la grande Baba Yaga. Bonjour, je m'appelle Anna. Et je cherche à qui appartient cette clé. Est-ce qu'elle ouvrirait la porte de ton isba? Ici, il n'y a pas de clé. Faut simplement dire la formule magique. Tire la chevillette et la bobinette serra. Et un nouveau drapeau apparut. Un rond rouge sur un fond blanc. C'était le Japon. Comme c'est beau! Konnichiwa, je m'appelle Miyoko.
Tu arrives pendant l'Anami, c'est la fête des cerisiers en fleurs. Yao, moi, c'est Anna, et je cherche quelle maison ouvre cette clé. Ici, il y a souvent des tremblements de terre, les maisons sont en bois et en papier, nous n'avons donc pas de serrure. Mais viens manger des sushis et boire du thé avec moi. Ma clé magique m'indiqua ma prochaine destination. Quel drapeau ! Je ne pouvais pas me tromper, c'était le Népal. Bonjour, je cherche la porte qu'ouvre cette clé. Oh, tu l'as retrouvée! Cette clé est recherchée depuis des dizaines d'années. Elle ouvre le temple de mon arrière-grand-père. C'est le temple qui protège les Népalais du Yeti. Un jour, le Yeti a volé cette clé sacrée et à ce moment, un énorme tremblement de terre l'a projeté dans les airs. Demain, je rentrais chez moi à Perros-Guirec sans ma clé magique. Mais j'étais heureuse d'avoir aidé les Népalais et d'avoir découvert d'autres maisons. J'avais aussi des nouveaux amis aux quatre coins de la terre.